Star Academy, cette sanction à laquelle doit se heurter après son élimination. Depuis le début de son aventure dans la Star Academy, Julien Cannabis s'est fait des amis. Mais aussi des ennemis. À commencer par les professeurs, qui ont noté à plusieurs reprises le manque d'implication du jeune artiste lors de ses évaluations et ses prestations sur scène. Leur ballon avait notamment provoqué les foudres de nombreux internautes, en désinguant le frère de Mathieu Cannabis. Un lendemain de prime. Si tu respectais le public, tu ne le draguerais pas en caméra. Virgule toi, tu souris pour draguer. Tout le monde a vu ça, alors ouvre les yeux. Grandi. C'est toi qui as choisi la chanson, mais tu l'as sabotée. Même à côté de la plaque. Virgule écoute-moi, ne dis pas non de la tête et regarde-moi quand je te parle. Merci, avait-elle déclaré au star académicien, complètement déboussolé. Après cette séquence, le frère de Julien était sorti du silence en s'exprimant une première fois sur Instagram. Puis sur le plateau de TPMP. Qu'on lui lâche la grappe, avait-il déclaré, en plein direct, à Cyril Hanouna. Si Julien a souvent fait l'unanimité sur les réseaux sociaux, l'artiste en herbe. Comme tout artiste qui se respecte, des détracteurs. Et ces derniers sont parfois virulents. Comme l'avait fait savoir son frère, Mathieu, lors d'un live Instagram, le 7 novembre. Soit 2 jours après avoir fait éruption sur scène pour encourager celui qui se fait appeler Cannabis JR sur Instagram. Quand je vois des gens qui me disent que je l'ai écrasé, que je chante plus haut que lui. Je suis dégoûté de lire ça, a-t-il déclaré, avant d'ajouter que Julien aurait été déçu et blessé de lire ça. Et justement, pour le protéger des insanités qu'il a pu lire au sujet de son frère. Mathieu et sa compagne, Carla de Coignac ont pris la sage décision d'empêcher le Toulonnais de se rendre sur Twitter. Je vois que vous êtes très inquiet par rapport au fait que Julien va récupérer les réseaux. Son téléphone, etc. Il est puni, a commencé l'ancienne participante de l'émission Nouvelle Star. Avant de préciser la nature de sa punition. Il est puni de Twitter parce que c'est beaucoup trop malveillant et malsain. Donc évidemment il verra tout votre amour sur Instagram, ça il ne le ratera pas. Mais il est puni de Twitter, c'est complètement inutile, voilà, a-t-elle conclu. Une punition? Non, un cadeau. Testez vos connaissances sur la Star Academy et remportez un séjour avec Omer Vacances ou un coffret jeu disco party avec Hugo Images.